certains appels à manifester demain sont-ils des leurs? On se souvient du faux rendez-vous donné par les Gilets jaunes devant le château de Versailles il y a quelques semaines. Et ces derniers jours, les lieux de rassemblement fleurissent sur les réseaux sociaux. On en compte déjà 5 ou 6 rien que pour Paris. Une stratégie sans doute destinée à mettre à l'épreuve les forces de l'ordre. Reportage Jérôme Garraud, Corinne Chevreton et Florian Hitzner. Par camions entiers, des barrières, des matériaux de construction, à nouveau retirés des rues de Paris. Tout ce qui peut servir à dresser une barricade. Il faut tout débarrasser, il faut laisser propre. On va les charger dans le camion, on va les envoyer au dépôt. Même précaution dans différents endroits de la capitale. Ici, près de l'Arc de Triomphe, ou porte-maillot. Car ce soir, il est difficile de dire où vont se rassembler demain les manifestants. Sur Internet, ils naissent par dizaines, en pagaille, ces appels au rassemblement. Chaque collectif y va de son idée, avec à chaque fois des heures et des lieux différents. Pour la seule ville de Paris, on recense au moins 6 points de ralliement sur les réseaux sociaux. Des Champs-Élysées à la place de la République en passant par la Tour Eiffel. Un mouvement qui se veut désordonné et des forces de l'ordre contraintes de s'adapter. Il y a une désorganisation volontaire de certains groupuscules afin de retarder le plus possible le déploiement des forces mobiles de sécurité. En les techniques, c'est vraiment être au plus proche des sources de renseignement, c'est être sur le terrain, mais aussi de plus en plus épier un petit peu, entre guillemets, ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux.